Can he hear you? Shit, I don't really know, but I hear you. And furthermore, I understand and I feel you. Should I look up to my mom, but she's old school. Salut à tous et à toutes, ici DB94, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Epire. Alors, en dernier épisode, on avait pris Velatri. Excusez-moi, je suis encore malade, j'ai encore des restes de ma maladie, on va dire ça comme ça. Et du coup, je suis pas encore remis à 100%. Il me faut encore un peu de temps avant que je me remette. On va passer le tour entre temps. À cet épisode, je vais prendre Harry Binom. Excusez-moi, je dois me boucher parce que je suis pas très bien. Hop. C'est vraiment de la merde d'être malade. C'est pas terrible, hein. Tout le monde en a fait l'expérience. Donc je disais, cet épisode-là, on va prendre Harry Binom et en finir une fois, une bonne fois pour toutes avec les Romains. Je ne veux, excusez-moi, hop, je ne veux plus voir les Romains dans ce jeu. Je ne veux plus. Excusez-moi. Je sais que c'est pas très sexe d'entendre quelqu'un se boucher, mais bon. Là, il faut, quoi, il faut, il faut. Donc là, on va voir. Ouais, Arva, Caria. On fout tout ça. Je suis à combien de minutes déjà? Il faut que je regarde quand même mon chrono. Ouais, j'ai commencé à 55, on va dire. Je vais couper là, je vous dis à tout de suite. Donc, notre agent est enfin de retour, ça fait plaisir. Elle est en forme, elle est voilà, sur la vue du travail, hein, parce qu'il faut qu'elle tue tout ce monde-là. Ereb, cache-moi. Tu l'as. Oui. Bien, c'est bien ça. En quoi puis-je vous aider? Tiens, faut que je continue comme ça à la motiver, cette petite fille, ou cette dame, ou cette belle demoiselle, ici. 12. Ouais, on va peut-être faire ça. C'est vrai que ça me met du malus d'ordre public. Il faudra quand même faire gaffe à l'ordre public parce qu'au bout d'un moment, quand on développe les villes, il y a de la misère qui arrive. Et là, c'est là que ça dérape, on va dire ça comme ça. Parce que ça devient, à partir de ce moment-là, ça devient un peu. Comment dirais-je? La merde? Oui, la merde, oui, on peut dire ce terme. Parce que ça devient vraiment assez chaud en fait. Parce qu'au bout d'un moment, limite, on peut même plus faire de conquête parce qu'on passe tout notre temps à. On va faire un bateau comme ça. Parce qu'on passe tout notre temps à essayer de rendre notre population joyeuse, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on perd. On perd un temps fou, mais juste un temps fou, quoi. C'est vraiment. Vraiment une perte de temps. Je peux toujours pas faire de baliste. Ça commence à être énervant. C'est quoi la technologie pour faire les balistes? Il n'y a pas une technologie qui donne les balistes. Pas ça. Il permet atelier. C'est pas ça. 306. C'est pas ça. On va passer le tour. Passe le tour et je vais couper et je vous dis à tout de suite. Alors, troupes recrutées, ok, navire construit, ok, trait obtenu. Qui a obtenu ce trait là? C'est plutôt pas mal ça. Mérope, c'est bien ça. C'est une bonne stat. On va essayer d'attaquer le bateau qui est là-bas. Ouais, on va essayer d'attaquer la flotte qui est ici parce que ce serait bien de la détruire quand même. Oh. Ils ont quoi? Ils ont quoi pour... C'est vrai qu'ils ont pas non plus un truc de fou. Hein. On voit pourquoi je pourrais pas les détruire. Bon, c'est pas grave. On va battre en retraite. Hein. Ça pour la prochaine fois. Regardez. Les agents ennemis, ils ont tous disparu. J'ai juste eu à tuer... par contre, lui, est-ce que je peux... Attendez, je vais juste avoir un vent assassinat. Ouais, faible chance en fait. Et lui, est-ce que je peux le tuer? Ouh, il y a même des fortes chances. Bon, on va essayer de le tuer. Je crois que c'est lui tout à l'heure qui avait blessé mon agent. Ça serait bien qu'il meure.
Ennemi blessé, c'est très bien. C'est une bonne, ça. Ah, excusez-moi, c'est une bonne espionne. Je trouve très bonne. Encore jeu de mots pourris que je fais à chaque épisode. Ouais, pour la Maintenant, il va bataille. être bientôt temps de nous lancer à l'assaut de. Là, je vais voir si je peux avancer sans que ça pète trop. C'est tout? Oh, ça va. On va se lancer à l'assaut Nous prenons d'Ariminum. cette colonie. Personne n'en réchappera. Il y a combien là? On a quoi? Ouh, on a du lourd. Et nous, on va juste Colonie assiégée. encercler. Là, je vais peut-être faire venir du coup mon armée de. Mon armée qui est à Napolis. À votre service. Est-ce que je parais, est-ce que je peux sortir en paix? Bon, je vais baisser les impôts. Et du coup, si je baisse les impôts, ils vont peut-être être plus heureux. Voilà. Je mets un petit peu pour qu'on gagne toujours. Voilà. Hop. 400. Merde, j'ai pas d'argent à investir. Que ma deuxième armée est Commandant, là. pour les dieux! C'est ça, pour les dieux, on va dire. C'est vrai que ça va être juste, hein. Ça va être chaud, ça va être chaud, moi je vous le dis. Surtout que nous, on n'a pas non plus du très lourd. Hein. Des hoplites, des bons hoplites. C'est vrai qu'ils ont des bonnes stats, les Romains, en mêlée. Ils ont vraiment des grosses stats. Ici, on peut améliorer le bâtiment. En cas de nourriture. On va faire, mais entre temps, on va faire de la nourriture. Du coup, ça s'équilibre. Du coup, ça s'équilibre. Et on va passer le tour. Sur ma vie, les Romains vont m'attaquer tout de suite. S'ils sont pas trop stupides. Ils vont utiliser le fait qu'ils soient beaucoup plus nombreux pour m'attaquer. Je les pupute avec leur espion. Alors champion, je veux dire. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains vont m'attaquer. Ouais, c'est bien ce que je disais. Donc on va faire la bataille. C'est un épisode peut-être un peu plus long que d'habitude. Ouais. Ils ont du lourd quand même, surtout de la cavalerie. Faut devoir faire gaffe à la cavalerie. Et on va sur le champ de bataille. Et ça va être la Légion 3 Macédonia qui va lancer les hostilités. Il faudrait que je pense à changer un peu tout ça là. Petite unité comme ça, il faudrait peut-être que je les enlève. Et là, celui-là, il a 2 galons d'or, c'est plutôt pas mal. Ici, 2 galons d'or, 1 galon d'or, 1 galon d'or, 3 galons d'argent. C'est vrai que c'est quand même des bonnes unités. Cette unité-là, il faudrait que un jour je la change et les tire ailleurs. Re, on se retrouve pour la bataille. The last battle. Et on va mettre en formation phalange hoplitique pour défendre notre point. Attendez, il faudrait faire ça. Comme ça. Et sur les flancs, on va mettre. Voilà nos unités. Nous, vraiment. Nous, c'est quoi? C'est comme des hoplites et c'est eux qui sont à peu près des phalangistes à la macédonienne. Voilà. Avec des petites. Saris. Saris. Saris ou Saris? Des fois, j'ai des doutes. Attends, on va faire. Hop. Comme ça. Hop. On enlève ce mode. Ici, on va mettre. Tir enflammé et pour nos lavelinières on peut pas. Bon, ça marche. Et eux, est-ce qu'eux, j'ai jamais trop testé les tirailleurs à cheval, mais à ce qui paraît, ils sont très très redoutables. Du coup, je vais essayer de les utiliser contre peut-être la cavalerie ennemie, ce serait peut-être judicieux. Et je vais mettre en mode voilà, diamant, on va mettre en charge rapide. Les lanciers mercenaires, ok, donc ils ont quand même du mercenaire. Ici c'est quoi? De la statie, ils ont encore de la statie? Ici. Légionnaire, c'est des vétérans. On va devoir du légionnaire un peu partout. Vous fuyez pas vous. Ok. Faudra m'expliquer celle-là. Ne bon. capitulez jamais. Les hommes sont hésitants. Mettez en retraite, mettez en retraite.
Ok, donc en fait c'est vachement merdique et je pense qu'il y a un bug tout pourri au niveau de du mode escarmouche. Ok, donc j'ai fait aucune perte, je suppose. Je suis même sûr que j'ai fait aucune perte à l'ennemi. J'ai fait aucune perte, hein. J'ai perdu une unité entière, mais j'ai fait aucune perte. C'est la dernière fois que je joue avec ces unités là, parce que vraiment il est hyper mal fait, je pense. Il doit y avoir un bug au niveau du mode escarmouche, parce que là c'était vraiment un peu n'importe quoi. Donc ici, on va se redéployer différemment. Voilà, plutôt comme ça. Allez, on se déplace, messieurs. Pas de course. Allez, 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 allez. Dépêchez-vous, messieurs, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ça va, pas forcément besoin de courir. Au final, ils sont beaucoup plus loin que je le pensais. Par contre, on va les attendre. Hein. De manière, le but du jeu, c'est de les attendre le plus possible. Tiens, je zoome pas trop sur mes unités. Ouais, ouais, putain, ils sont vraiment du H en fait, ces unités. Aucune armure. Et là, voici nos phalangistes qui se battent brièvement sur le champ de bataille sur Nitelli. Battez-vous mes fiers guerriers. Oh là là. Chichichi. Ça va être beau ça quand la cavalerie ennemie va charger. Et hop, ça commence. La bataille commence. Ils ont aucune perte, c'est vraiment, je suis dans les unités de tir et vraiment il faut aucun dégât. Oui. Ah si, commence à me prendre. Faut que je fasse gaffe qu'un cavalier ne va pas me contourner. Et hop. On baisse, on baisse, on baisse. Tournez-vous, tournez-vous. Oui, commandant. Javelot. Appuisé. Les hommes sont hésitants. Il n'y a pas à hésiter, les mecs. Mais mon général. Contournez. Chargez. Là mon flanc droit il prend dans la gueule. Hein. Là mon flanc droit sincèrement il en prend pas dans la gueule. Et on va se mettre à l'assaut. À l'assaut. Voilà. L'autre flanc droit est complètement anéanti. Ça va être chaud, hein. Là c'est bon. Hop, on repart à l'assaut. Nos hommes fuient le champ de bataille. Putain, ça va être galère, hein, je vous dis. Là, il faut un peu trop d'unités d'ennemis, là, ça. Ah là là, première défaite. Putain, c'est vraiment rageant. Sont hésitants. Oui, commandant. Détruisez ces unités là. Général. Oui, commandant. Reste vitesse. Piquiez en relais. Nous perdons du terrain. Paré et en attente. Projectile, paré et en attente. Faut faire le plus de dégâts possible. C'est vrai que c'est un peu une mission suicide hein, ce qu'on a essayé de faire. Bon. Essayer de faire comme on a pu. Hein.
Légionnaire vétéran. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Ordre bien compris. Rondeur, infanterie lance projectile à votre service. Repli, paré! Infanterie de lancier paré. Repli! Excusez si je parle pas trop parce que là, je suis un peu déçu. À votre service. Sûr qu'on perd, hein. Ce n'est pas la joie. Marchez! À votre commande! Les hommes sont hésitants. Putain, mais tuer ces putains de cavaliers! À vos ordres! À votre service! À vos ordres! Vos ordres? Rechargez avec hâte, grandeur! Qu'on veut! Marchez! À vos ordres! Feu! Oui, commandant! Les hommes sont hésitants! Ouais, je sais que les hommes sont hésitants! Putain, tu as monté combien de fois, trou du cul? Hein. Putain, là, c'est leur cavalerie, sincèrement, leur cavalerie là! Hop, c'est fini. Aïe. Sincèrement, c'est vachement rageant quoi. Et hop, c'est fini. Ouais, c'est vrai que c'est une honte. Voilà, j'ai carnage. Ça va être un carnage cet épisode là. Défaite de justesse. Ouais. J'ai gagné un succès, ok. Tu te fais défoncer, tu gagnes un succès. Logique. Bon, c'était plus nombreux. Ouais, bon, j'ai eu plus de pertes. Hein. Non, j'ai eu plus de pertes, j'ai dit des conneries. J'ai tué quand même pas mal, mais bon. Ouais, ça va être chaud. Heureusement que j'ai une deuxième armée. Hein. Il va pouvoir tenter sa chance. Et du coup, cette armée-là va repartir à Velatri. Elle va partir. Ouais. Bon, défaite de justesse. Est-ce qu'ils ont des pertes? Pff, ouais, ils ont quand même des pertes, hein, mais c'est pas. C'était pas grand chose. En arrière. Voilà, on va battre en retraite direction Velatri. Ah là, ça devient embêtant. Hein. On va couper là de manière à ce que le temps que le tour y passe. Re. Donc mon général est mort, donc je dois en choisir un nouveau, et si possible un molosse. Bâtiment de centre-ville, puis un bâtiment commercial. Il y a combien? On va prendre toi, hein. J'étais à deux parades, de mauvaise stat. Hop. Des joueurs de Itaïka aussi. Oh là là, bon, pareil, on va prendre un molosse. Hein. Pour vos hommes. Nous prenons cette colonie. Personne n'en réchappera. On va assiéger. Et je vais lancer le reste de mon armée, hein, coûte que coûte. Il faut que. Voilà. Nous ne pouvons faire cela. On va plutôt passer par là. En attente de plus d'ordre. Dommage que je peux pas attaquer non plus. En déplacement. Et maintenant si j'attaque, ouais c'est un peu mieux. De manière, ça va être chaud. Chaud. Parce que tant qu'ils ont leur cavalerie, sincèrement, ils vont m'en faire voir de toutes les couleurs. Et on va battre en retraite. Je préfère battre en retraite. On va attendre un peu. Vous allez vous en aller. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas. Mais si que tu peux. Nous pouvons suivre cet ordre. Va-t'en ! Fuis, stupide ! Oh putain. Nous ne pouvons faire cela. Oh, je vais te frapper. Je te jure, je vais te frapper. L'homme qui s'arrête sera abandonné. C'est moi, je vais t'abandonner, être du cul. Va. Que nous ne puissions pas. Mais je vais devenir fou avec lui. Mais passe par la forêt. Nous pouvons faire cela. Oh, j'ai bien peur que nous ne puissions pas. Oh, celui-là, putain. Je vais pas lui clasher la gueule. Moins 4 heures de public. Non, là, c'est une nourriture. Il y a quoi, là?
Nouvelle flotte. Ah mais sérieux les Romains, putain. Au combat. Allez. Oh lol. Bon, on exécute. La mer nous appelle. Aux ordres. Encore, je veux que vous le détruisiez. Pas de quartier. Ah les Romains, ça se laisse pas faire. Hein. Ils se laissent pas faire. Allez, cool. Voilà, saloperie. T'as déjà foncé direction Rébinium. Exécute. Oh, voilà, merci. Toi, tu vas aller direction Rébinium. Ouais, bref, tu vas aller direction Rébinium. Notre voyage prend fin. Hop. Juste de ruse. On va prendre du commandant, c'est très bien. Et je sais pas combien de temps on tourne. Bon, c'est quand même pas mal de temps qu'on tourne. Pas mal de temps. Par rapport à d'habitude, on va dire. Et toi, tu vas aller me saboter. Et sincèrement, je gaspille vraiment de là. Toi, mais déjà, tu es ce champion parce que déjà, il m'énerve. Voilà. 42. Alors c'est pas grave. T'as des chances de le tuer quand même. Ennemi blessé, c'est très bien. C'est parfait. Toi, mademoiselle. Tu vas faire. Voilà, rang supérieur, on s'en fout. Assassinat. Et recruter un assassin. Ennemi blessé, c'est très bien. C'est même parfait, j'ai envie de dire. Comment toi, t'as augmenté. Je commence à être de mieux en mieux, toi. Assassinat, de succès. Va mettre ça, et tu vas t'approcher de la ville, du coup, pour le prochain tour. C'est vrai que je me dis. On va rester comme ça. On va se mettre dans le coin, on va attendre. Et ici on est totalement bloqué en fait. À moins que je le fasse, voilà, et je le fais battre en retraite. Ah, j'ai une chance! Ah oui, mais excuse-moi, j'ai ma légion à côté. Laissez-les battre en retraite comme des chiens! On va les acheter en fait, ouais, what the... rien à foutre en fait. Ouais, rien à foutre. On va tous vous tuer, de ouf nous. Ça n'a rien à voir. On va essayer de faire un peu de commerce, parce que là on a un peu d'argent, on pourrait peut-être voilà, essayer de négocier ça à la bien, on va dire. À la bien, cousine. Oh, ils seraient en guerre contre les Dalmates. Je comprenais pas pourquoi j'étais en guerre. Alors, je vais juste faire du coin, c'est avec les Arvernes, parce qu'ils ont l'air d'avoir un bon royaume. Et mon peuple attendent que vous parliez honnêtement. Mais je parle toujours honnêtement entre du cul. Je pas un faux cul comme toi, moi. Ça doit être bon ça. Ah ouais, mais même 1300 ils en veulent pas quoi les mecs. Vas-y, on va faire pacte de non-agression. Voilà, petite astuce qui marche toujours. Voilà. On se connaît un peu mieux maintenant. Maintenant tu veux accords commerciaux bas. Paiement 1300. Tu veux pas, bah va te faire le hein. Je vais pas dire le mot. C'est un épisode bizarre parce que franchement, je pensais vraiment que j'allais gagner et au final, voilà, je me suis fait un peu avoir. Donc, on va se quitter là. Hein. Ça a été quand même un bon épisode. Je trouve que c'était un épisode sympa avec beaucoup de retournements de situation. Avec notre première défaite aussi. Voilà, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Première défaite. Hein. Ici, je vais me rapprocher. Voilà. Et pour cette fois, j'enlève le mode. Donc on va se quitter là, hein. Je vais vous dire à la prochaine et salut tout le monde.